Cette délibération vise à revaloriser le salaire des animateurs pour, je cite la note, proposer une rémunération compétitive au sein du territoire. Une des trois propositions que nous vous avions formulées l'année dernière pour faire face au manque d'animateurs. Comme d'habitude, vous avez bouclé notre discussion sur un argument d'autorité. Vous m'avez répondu, je vous cite, réévaluer les contrats, on peut le faire sur les titulaires, et on le fait, mais on ne peut pas le faire évidemment sur les contractuels, sur les emplois d'animateurs de citation. C'était le 30 juin 2022 et je vous renvoie à la vidéo, c'est à 3h50 de la vidéo. Donc une réponse peu crédible puisqu'on peut le faire aujourd'hui. Soit vous ignorez la dernière qu'on pouvait le faire et quand je vous l'ai proposé, vous avez utilisé un argument d'autorité en me disant que techniquement ce n'était pas possible. Or, ce qui était impossible hier est devenu possible aujourd'hui. Soit l'année dernière, vous saviez que c'était possible et vous nous avez menti. La réalité, c'est que vous êtes un peu des deux de mauvaise foi et incompétent sur le sujet. Très bien, Monsieur Mamara, c'est encore des mensonges, mais ce n'est pas grave. Donc on a l'habitude avec vous. Non, ça fait partie, je dirais, euh, du schéma de ce Conseil. Je me... évaluer les contrats, je ne vais pas redire euh, ce que j'ai dit à, à Monsieur Malène, c'est-à-dire qu'on euh, peut le faire sur les titulaires, et on le fait, mais on ne peut pas le faire, évidemment, sur les contractuels. Donc, non, non. Non, sur, sur les emplois, sur les emplois, donc, qui sont les emplois d'animateurs, on ne peut pas le faire, pas le faire, pas le faire.